Bonjour, bienvenue pour ce numéro spécial de Mode d'emploi. Nous sommes au Vélodrome National à l'occasion de l'événement En Piste pour l'Emploi. C'est le rendez-vous de Saint-Quentin-en-Yvelines dédié à l'emploi et à la formation. Focus justement sur l'évolution professionnelle. Alors la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est une façon de faire reconnaître vos compétences dans le but d'obtenir un diplôme, un titre ou encore une certification de qualification professionnelle. Et avec nous justement sur ce thème, une experte, Caroline Pedrola. Bonjour. 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 Alors, vous, au sein de l'Académie de Versailles, vous êtes conseillère validation des acquis de l'expérience. Vous êtes également chargée de communication pour le DAVA. Le DAVA, c'est le dispositif académique de validation des acquis. Alors, quelles sont vos missions ? Alors, les missions du DAVA, donc dispositif académique de validation des acquis, consistent à reconnaître et permettre aux personnes qui peuvent se lancer dans le projet, reconnaître les compétences de façon à obtenir une certification, un diplôme qui est en cohérence avec le parcours professionnel. C'est donc une mission, une double mission, la mission de certificateur, c'est-à-dire chargé d'identifier si le projet est possible, et puis une autre mission qui est une mission d'accompagnateur, puisque le DAVA est un organisme certifié et labellisé pour justement accompagner toutes les personnes qui se lancent dans un projet de ce type. Donc, essentiellement sur les diplômes de l'éducation nationale, donc du CAP au BTS, mais également sur les diplômes signés, co-signés du travail social, c'est-à-dire tout ce qui est moniteur, éducateur, éducateur spécialisé. Donc notre mission académique, on est sur 4 départements, donc les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et donc le 95. Nous avons donc cette charge, ce rôle, cette mission qui donc consiste à déjà informer. On a un rôle d'information pour que justement ce dispositif soit davantage connu, parce que tout le monde ne sait pas. Voilà, on entend parler de VAE, on ne sait pas forcément concrètement voilà à quoi ça correspond. On ne sait pas si on y a droit, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On entend que c'est compliqué, la VAE, que c'est long, que c'est difficile. Et en fait, c'est toute une autre histoire. Bon, ça demande un effort, parce que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on a X mois. Alors, la loi vient juste de changer. C'était auparavant 3 ans. Aujourd'hui, c'est 12 mois d'expérience professionnelle dans un secteur défini. Justement, j'allais vous demander les critères, justement, pour... quels sont ces critères ? Toute personne qui peut justifier d'au moins 12 mois d'expérience professionnelle dans un champ professionnel défini peut, selon les textes, se lancer dans le projet de validation des acquis. Donc il faut prouver une activité professionnelle, voire même bénévole, dans un cadre associatif. Ça peut être une expérience actuelle ou passée. Passée, parce qu'il faut quand même faire appel à la mémoire. Et si l'expérience date d'il y a, on va dire, 5-6 ans, ça commence à être difficile, mais pas impossible en soi. Mais voilà, c'est plus facile lorsque l'expérience est fraîche ou pas trop ancienne. Ça dure, là c'est la personne qui se lance dans le projet qui va décider du temps qui lui est nécessaire. On va dire qu'en moyenne, si on calcule une moyenne, c'est une durée de 6 mois pour monter un dossier. C'est pas seulement une démarche administrative, il y a un travail de rédaction personnelle. Et puis c'est pas seulement ce travail de rédaction du fameux mémoire qui suffit, il faut aussi être capable de le défendre, de le présenter. C'est une étape qui ne s'invente pas. C'est parfois même assez, pas déstabilisant, mais je veux dire, ça demande préparation. On ne part pas à l'aventure de la VAE sans penser à cet entretien, parce qu'il n'y a pas, en fait, la VAE. Vous me demandiez quels étaient les critères. 12 mois, effectivement, d'expérience professionnelle minimum. Avoir des documents d'identité, c'est quand même assez large comme public. Si vous ne pouvez pas justifier de cette expérience et que vous n'avez pas de papier, là, la VAE ne sera pas faite pour vous. Et puis, éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, un diplôme. C'est-à-dire que la VAE va fonctionner différemment de la formation. C'est-à-dire que si vous avez développé des compétences professionnelles qui vous permettent de tenter d'obtenir un BTS, même si vous n'avez pas le bac,
ou même diplôme infra, eh bien, la VAE est envisageable. Ce n'est pas forcément un gage de réussite totale. Il y a, le jury peut décider d'une validation partielle ou totale, mais on a quand même 7 candidats sur 10 en moyenne chaque année sur l'Académie de Versailles et même au niveau national qui obtiennent leur diplôme par la validation des acquis. Donc ce n'est pas automatique, j'insiste sur le sujet, ce n'est pas un sous-diplôme, c'est le même diplôme que celui acquis par la voie de la formation. Alors justement, à vos côtés, quelqu'un qui a obtenu cette fameuse VAE en 2015. David Chabert, bonjour. Bonjour. Vous êtes auditeur interne au sein du service informatique de la Banque Populaire. Ça fait 19 ans que vous êtes dans cette entreprise. Donc comme je le disais, en 2015, vous avez entrepris de faire une VAE. Avant de nous dire pourquoi, est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur votre parcours scolaire et puis votre parcours professionnel aussi? Oui, alors moi j'ai une maîtrise de sciences économiques. Je suis arrivé à l'informatique grâce au passage à l'an 2000 et à l'euro. Il y a eu un vrai appel d'air sur ces professions d'informaticien. Donc j'ai commencé comme développeur. Après, je suis passé concepteur et puis chef de projet. Et puis au bout d'un moment, dans ma société, je me suis aperçu que pour évoluer sur certains postes, il fallait mieux avoir Bac plus 5, puisqu'en France, ça reste important le niveau de diplôme, même si on a de l'expérience à côté. Et du coup, je me suis dit, je vais convertir ces années d'expérience en diplôme. Donc juste pour une année supplémentaire, mais je trouvais que ça valait la peine de le faire pour être clair vis-à-vis de mes candidatures. Alors comment vous aviez connu justement cette VAE, l'existence de la VAE ? En cherchant sur Internet les différentes façons d'obtenir des diplômes complémentaires. Donc j'avais regardé le CNED ou la CNAM, enfin tout organisme qui peut permettre aussi d'avoir des diplômes. Et la VAE, moi à l'époque, c'était quand j'étais chef de projet, j'avais déjà 3 ans d'expérience. J'avais l'impression que c'était compatible. Donc je me suis rapproché de mon ancienne faculté, qui était Panthéon-Sorbonne. Mais Panthéon-Sorbonne, il n'avait pas de site internet dédié, c'était très compliqué d'avoir l'information. Alors, comme je travaillais à Saint-Quentin, je me suis dit, je vais regarder l'université de Saint-Quentin. Et là, c'était beaucoup plus clair. Il y avait un site dédié. Il y avait toute une présentation de l'approche, du calendrier, du planning, de possibilités de financement, je crois, de mémoire. Et donc, je suis passé plutôt par cette université-là, d'autant plus que j'ai trouvé le master qui pouvait vraiment coller à mon expérience. Alors, justement, quel diplôme vous avez obtenu grâce à cette VAE ? Donc, j'ai obtenu un master de management stratégique et changement. Donc j'avais, pour moi, j'avais identifié que je pouvais à peu près couvrir 70% à peu près de ce master par rapport à mon expérience. Et donc ce qui fait que j'ai eu une validation partielle. En fait, en effet, la présentation du dossier de validation à l'oral permet au jury d'identifier si l'expérience suffit à avoir le diplôme. Là, il manquait quelques unités d'enseignement, donc j'ai complété mon travail, j'allais dire, pour aller jusqu'au même à un mémoire pour obtenir cette validation totale de la VAE. Alors, ça a duré combien de temps ? Vous parlez d'à peu près 6 mois tout à l'heure. Vous, ça a duré combien de temps ? Moi, j'ai choisi l'accompagnement de l'université. Donc, il y a 5 ou 6 ateliers de 3 heures, soit en petit groupe de 5-6, soit individuel. Pour valider chaque étape en fait du travail en fait. C'est notamment sur le dossier de validation que vous aviez appelé mémoire tout à l'heure. Ça nécessite d'avoir une approche universitaire. Donc l'accompagnement permet justement d'avoir les bons mécanismes en fait de rédaction pour présenter la problématique, pour présenter l'expérience, pour faire un dossier qui colle aussi au master qu'on a choisi. Donc pour présenter l'expérience en fonction du master. Alors grâce à cette VAE, est-ce que ça vous a permis d'évoluer dans votre entreprise ? Oui, tout à fait. Donc il s'avère que ça s'est fait en parallèle, mais j'ai obtenu j'ai été accepté au poste d'auditeur interne, qui était réservé en principe au Bac plus 5. Et grâce à cette VAE, j'ai pu obtenir ce poste. Est-ce que votre employeur était au courant lorsque vous avez entrepris cette démarche de VAE ? Alors, au départ, non. C'est vrai que quand j'ai postulé, j'ai indiqué que j'étais en cours de VAE. Il s'avère qu'ils avaient accepté. Bon, j'avais
bac plus 4, donc il y avait quand même le delta était faible. Ils m'avaient accepté à ce poste avec mon bac plus 4. Mais le fait que j'ai eu une VAE a évité, entre guillemets, une jurisprudence, en fait. Justement, Caroline Pedrola, est-ce que l'employeur est obligé d'être au courant quand un salarié souhaite faire une VAE ? Non, l'employeur n'est pas obligé d'être informé. Le salarié peut se lancer, entre guillemets, discrètement dans le projet. L'employeur sera informé si le salarié demande un congé formation. Parce que même s'il n'y a pas de formation vraiment pour la VAE, si on le veut, on peut obtenir 24 heures de congé formation, c'est-à-dire de temps pour être disponible pour venir à ces rendez-vous, justement, qui sont échelonnés sur plusieurs mois, hein, puisque la durée, vous avez dit plusieurs heures, mais en fait, ce sont des rendez-vous qui sont donnés tous les mois, à peu près. Hein. Donc, nous, on compte environ à peu près 6 mois d'étalement sur ces différents créneaux horaires, différents rendez-vous. Et donc, quand il faut s'absenter de son travail, soit on prend un jour de congé, de RTT, hein, ou bien il y a aussi ce moyen de demander un congé formation. Et c'est là où il faut faire la demande à son employeur, et là, il devient informé. Ça coûte combien de faire une VAE ? Pardon, ça coûte combien ? Alors, ça coûte... Nous, en tant que certificateurs agréés, labellisés, tout à fait réglementés dans les tarifs, c'est-à-dire qu'on se cale sur les tarifs exigés par les financeurs, hein, que ce soit les OPCA ou la région. Donc, c'est en fonction du nombre d'heures que les tarifs sont plus ou moins importants. Mais on va dire, on parle d'une moyenne, pour citer une moyenne, d'environ 1000 euros ou au maximum 24 heures. Merci à tous les deux d'être intervenus sur ce thème de la VAE. Dans quelques instants, nous allons parler bilan de compétences. Lorsque l'on envisage d'évoluer professionnellement ou bien de se reconvertir, eh bien, un dispositif permet de faire le point sur ses compétences et ses objectifs professionnels. Cela s'appelle tout simplement bilan de compétences. Vous allez entendre des témoignages. Mais tout de suite, je me tourne vers Anne Salvi du CIBC 78. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du Centre interinstitutionnel de bilan de compétences des Yvelines, le CIBC 78. Il est basé à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cet établissement ? Oui. Le CIBC, c'est une structure qui dépend de l'éducation nationale. Et nous existons depuis 1992. Donc l'objectif du centre de bilan de compétences, c'est de faire entre autres des bilans de compétences. Notre équipe est composée de consultants psychologues ou non psychologues. Et le bilan de compétences est donc un outil au service de votre repositionnement professionnel. Un outil, c'est-à-dire un espace qui vous est consacré et au cours duquel vous allez parler de votre parcours professionnel, vous allez évaluer vos compétences, vos aptitudes, vos motivations, vos intérêts professionnels pour in fine construire un projet professionnel. L'objectif du bilan, c'est de construire un projet, de se projeter. C'est pas rester statique sur son expérience, c'est un regard en arrière, on regarde dans le rétro, viseur, hein, ce que vous avez fait pour se projeter, pour préparer sa seconde partie de carrière, pour préparer son avenir dans l'entreprise aussi. Voilà. Donc le bilan de compétences, un outil au service de votre repositionnement professionnel, le bilan va durer 24 heures et vous aurez des entretiens avec un consultant dédié. Voilà. Alors, généralement, quel public vient vous voir ? Est-ce que ce sont des... quel public vient vous voir ? Alors, nous recevons tout public, cadre et non cadre, en poste et hors poste. Et toute personne qui a envie de se poser sur sa carrière et d'avoir un mouvement réflexif sur sa carrière.
hein, toute personne qui se pose aussi des questions sur son avenir professionnel. À certaines dizaines de la vie professionnelle, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on se pose des questions. Hein, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est le moment d'y réfléchir et c'est le bon moyen d'y réfléchir avec un consultant qui va être le miroir de ce que vous allez lui apporter. À savoir que le bilan de compétences, ça demande beaucoup de travail personnel. Il faut être prêt aussi pour le bilan, prêt à se remettre en cause, à revisiter ses réussites, ça c'est plutôt sympathique, aussi à revisiter ses difficultés et parfois ses échecs. Il faut être prêt. Toujours dans l'objectif de construire un projet. Un projet qui vous ressemble, qui soit réaliste, qui soit réalisable, bien évidemment. Alors justement, à vos côtés, deux personnes qui ont franchi le pas, justement, pour faire un bilan de compétences. On va commencer avec vous, Marie Deray. Vous venez, vous, hein, tout juste, hein, justement, de démarrer un bilan de compétences. Quelle était votre situation, justement, avant d'effectuer cette démarche? Alors avant, j'étais dans le commerce alimentaire. Je travaillais en boulangerie-pâtisserie. Jusqu'à décembre 2017. Donc j'ai besoin de faire un bilan de compétences. Je dis bien le mot besoin parce que pour moi c'est vraiment nécessaire. Ça fait 35 ans que je n'étais pas à la recherche d'un emploi, donc depuis janvier de cette année. Et quand on n'est plus sur le marché du travail, on est un petit peu désorienté, un petit peu perdu, on ne sait plus ce qui se passe. Donc pour moi, le bilan de compétences est vraiment, je le répète, nécessaire pour faire le point sur mes capacités personnelles, sur mes compétences professionnelles également. J'ai besoin d'une remise à plat de tout. Donc pour l'instant, j'en suis au début. J'ai fait deux fois deux heures, plus une heure et demie de tests. Que j'aurai les résultats la prochaine fois, je pense. Alors, justement, c'est quoi comme type de test qu'on vous demande? Alors là, je ne pourrais pas vous dire. Hein. C'est pas très compliqué. Madame Salvi, peut-être. C'est des tests de rapidité, des tests de logique, des tests de... Je ne sais pas trop en quoi ça concerne, mais bon, je vais vous repasser Madame Salvi, qui certainement pourra mieux renseigner. Effectivement, dans l'outil bilan de compétences, il y a une partie test psychométrique qui permet à la personne d'avoir son profil professionnel. Le test psychométrique n'est pas une vérité intangible en soi. Le test est intéressant parce qu'il donne des repères. Alors, on a le test des intérêts professionnels. Vous ne l'avez pas encore passé, Madame Deray. Le test des aptitudes cognitives. Comment vous recevez l'information et comment vous allez la restituer. Et le test des comportements en milieu professionnel. Voilà. Donc, nous, on utilise trois types de tests, mais il y en a plein d'autres aussi. Alors, Madame Deray, par quel biais, en fait, vous avez connu l'existence, justement, du bilan de compétences? Eh bien, j'en ai pris connaissance lors de mon premier entretien avec ma conseillère à Pôle emploi. Et vous êtes dit, pourquoi pas Ah oui, mais j'avais envie de le faire. Hein. Pour moi, c'était très important. Hein. C'est la première étape pour ensuite accéder à la recherche d'un emploi. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce bilan? J'attends qu'on m'oriente, qu'on me dise exactement de quelle formation j'ai besoin. C'est ça que je veux en faire. Vous cherchez vraiment donc à changer complètement d'orientation professionnelle, en fait. Je cherche à changer complètement d'orientation. Donc, je voudrais savoir, d'après mon parcours antérieur, ce vers quoi je peux m'orienter exactement et quelle formation va m'aider à pouvoir changer. En fait, c'est dans le but d'une reconversion professionnelle. Madame Salvi, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois. Je voulais juste rajouter, peut-être que j'ai oublié, la personne qui effectue son bilan de compétences est acteur de son devenir. C'est pas le bilan qui va dire que c'est vous, la personne qui allez choisir votre devenir, votre avenir professionnel. Et le conseiller n'est pas là pour vous donner une orientation, il est là pour vous donner des idées, pour confronter avec vous, mais en aucun cas il ne prendra une décision à votre place. C'est vous, c'est l'acteur, c'est le bénéficiaire qui est acteur à 90%. Alors un autre acteur, Thierry Hay, vous suivez justement un bilan de compétences également, alors vous en êtes à mi-parcours, hein, c'est bien ça? Oui, à peu près, c'est-à-dire que donc, le bilan de compétences se fait en 8 séances, j'en ai fait 3 pour le moment, bon, plus 2 des fameux tests. J'ai envie de dire, le bilan de compétences, on y va plus pour avoir des questions que pour avoir des réponses. Dans le sens où les réponses, on les a, mais on ne sait pas les trouver en nous-mêmes.
Et les gens qu'on rencontre nous aident à nous poser les bonnes questions pour réellement savoir quelles sont nos compétences, parce qu'ils ne savent pas plus que nous quelles sont nos compétences, c'est nous qui le savons, mais ils vont nous aider à les trouver. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce qu'effectivement, comme on entendait tout à l'heure par rapport à la VAE, la dame qui disait qu'il fallait prendre conscience de ses compétences, ben c'est un peu aussi le même rôle qu'on a au niveau du bilan de compétences, c'est de prendre conscience qu'on a ces compétences-là, parce qu'on a fait beaucoup de choses dans notre vie. Moi, personnellement, j'en suis à 20 ans de carrière. Et suite à un accident de parcours, je suis demandeur d'emploi maintenant. Et savoir vers quel type de profession je peux m'orienter, quel type de poste auquel je peux répondre, c'est en ça que le bilan de compétences va m'aider. Vous travaillez dans quel secteur ? Alors, j'ai travaillé dans le secteur de l'industrie pendant 16 ans et dans le secteur de l'hôtellerie pendant 4 ans. Et donc là, vous voulez complètement vous réorienter professionnellement parlant ? Pas forcément complètement me réorienter. Je l'ai fait déjà il y a 4 ans. L'idée, c'est surtout de savoir, est-ce que je continue dans l'hôtellerie ? Est-ce que je retourne dans l'industrie ? Est-ce qu'éventuellement, mes compétences peuvent me permettre d'aller dans un autre domaine ? Mais toujours en utilisant ses compétences. Voilà. Alors juste, vous aussi, même question qu'à Madame Deray, comment vous avez appris l'existence du bilan de compétences ? Alors moi, personnellement, j'avais mon beau-frère qui avait fait un bilan de compétences pour, à titre personnel, pour pouvoir voir un peu ce qu'il pouvait faire dans l'avenir. Et donc ça m'avait donné l'idée, plus ou moins. Et après, quand je me suis retrouvé demandeur d'emploi, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire. Voilà. Alors concrètement, vous attendiez, alors vous disiez, on n'attend pas forcément des réponses, c'est plus des questions. Mais je rejoins Madame Salvi, on est quand même acteur à 90%. Les réponses, on les a en nous-mêmes, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire preuve d'une grande honnêteté quand on nous pose des questions, parce que on veut construire un projet. Si on veut le construire convenablement, il faut le construire sur des bases solides. Et il faut d'abord être honnête avec soi-même pour pouvoir avoir cette solidité dans le projet d'avenir. Et donc moi, enfin, c'est Madame Salvi qui me suit, donc au moins elle sait mon état d'esprit. Moi, dès le départ, j'avais conscience que j'allais être acteur à 90%, et je savais qu'il fallait que je sois totalement honnête sur mon parcours professionnel, sur les choix que j'ai faits, pourquoi je les ai faits, comment je les ai faits. Voilà. Et on dit des fois des choses qu'on n'a pas dit à d'autres personnes. Parce que voilà, on fait des choix, des fois les vraies raisons on les connaît, mais on veut pas les dire parce que ça nous met pas forcément bien à l'aise. Là, il faut, c'est des entretiens confidentiels. On sait que ça ne sortira jamais du bureau, et en ça on peut se livrer. Et le fait d'être honnête avec soi-même, ça nous permet à nous d'avancer. Ouais. Est-ce que c'est une manière aussi de reprendre confiance en soi, peut-être ? Ah, totalement. Totalement. Ça aide. Alors ça aide aussi à se mobiliser. Moi, je suis à la recherche d'un emploi. On est chez soi. Les conseillères Pôle emploi, on va le voir une ou deux fois. Moi, ça fait 4 mois que je suis un chercheur d'emploi. J'ai vu 2 conseillers différents chez Pôle emploi. On est tout seul à la maison. On répond à des offres d'emploi. On a pas mal de réponses négatives ou pas de réponses. Déjà, avoir une réponse négative, il faut savoir que c'est bien d'avoir une réponse. Et donc on a tendance à se démobiliser et à se perdre un petit peu dans une inactivité. Donc ça aide déjà à se remobiliser, à se remettre un petit coup de pied aux fesses, excusez-moi l'expression, mais voilà, on se bouge. Et ensuite, forcément, oui, ça, on reprend confiance en soi, on prend conscience qu'on est capable de faire des choses et de se bouger soi-même. Et ça, c'est important. Oh, un mot pour conclure ? Pour conclure, si vous avez envie de faire un bilan de compétences, c'est une bonne idée pour vous, pour préparer un projet et pour être prêt à rebondir si vous en avez besoin. Hein ? La carrière n'est plus linéaire, et pensez à votre employabilité, et si vous voulez travailler votre employabilité, faites-le en amont en réfléchissant sur votre parcours. Sur ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire et ce qui est possible de faire. Madame Deray, un mot pour conclure ? Un bilan de compétences n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. Il est en fonction de sa carrière, à un moment donné, à un moment précis de sa carrière. Et donc, si ce moment s'avère, il faut le faire. C'est très important. Thierry, un mot pour conclure ?
Je dirais qu'un bilan de compétences, effectivement, dans la position où on est en tant que demandeur d'emploi, c'est important parce qu'on a besoin de se resituer par rapport à un marché du travail. Moi, j'ai aussi des amis qui l'ont fait tout en restant en poste, et ça leur a permis d'avoir un meilleur épanouissement dans l'entreprise sans changer d'entreprise. De prendre peut-être dans des grands postes, dans des grandes entreprises, d'autres postes, d'autres orientations. Voilà. Merci à tous les trois, en tout cas, pour votre témoignage sur le bilan de compétences. Merci. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau mode d'emploi.